Bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Marché US de la santé, opportunités et conseils pour lancer sa société aux États-Unis. Ce webinaire est co-organisé par la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre, le comité santé de la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre et la FACC du Texas. Bienvenue et merci d'être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Je suis Ludivine Wolksik, la directrice de la Chambre de commerce de Boston, et l'événement est également organisé par la Chambre du Texas, et vous pourrez avoir une présentation un petit peu plus tard de Constance Bost. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter des interlocuteurs auxquels vous allez pouvoir vous adresser dans le cadre de votre développement aux États-Unis, et on a prévu quatre interventions. Donc, tout d'abord, une présentation par le FABS, le French American Biotech Springboard, donc le groupe d'experts santé de la FACNI sur l'écosystème en sciences de la vie de Nouvelle-Angleterre, donc la région de Boston, puis une présentation par Constance Bost sur l'écosystème en sciences de la vie au Texas. Nous aurons par la suite donc une présentation détaillée par Elsa Lévy-Passer, qui fait partie de notre comité santé, sur les meilleures voies pour établir une présence aux États-Unis pour votre société dans le domaine de la santé. Quelques mots sur les différences culturelles entre les États-Unis et la France, puisqu'elles sont en fait plus importantes qu'on ne peut l'anticiper, souvent quand on perçoit les États-Unis depuis l'Europe. Et nous avons la chance d'accueillir deux entrepreneurs français installés aux États-Unis d'assez longue date, donc Marc Garbé, qui est basé à Houston, qui dirige la société OR Intelligence, et Romain Marmot, donc, qui est cofondateur et en charge du développement de la société Voluntis. Alors, quelques remarques préalables avant de parler spécifiquement de santé sur le marché américain, donc un marché continent avec de nombreux fuseaux horaires. Et effectivement, ce qu'on conseille toujours aux entrepreneurs de France, c'est de ne pas percevoir les États-Unis comme étant un marché unique, mais comme une addition de divers marchés. Concernant le marché américain de la santé, donc aujourd'hui nous faisons un focus sur le Texas et la Nouvelle-Angleterre, mais sachez qu'il existe de nombreux écosystèmes dans le domaine de la santé, et nous serons également ravis de vous connecter à nos interlocuteurs, à nos homologues, notamment de la côte ouest, à San Diego et en Californie, où il y a de nombreux voilà, centres de recherche. Autre écosystème important dans le domaine de la santé, le Midwest, avec notamment le Minnesota et la Pennsylvanie. Donc, il y a des importantes structures, notamment dans le domaine pharmaceutique. Les États-Unis, voilà, 22 milliards de dollars de PIB actuellement, c'est 20% même plus du PIB mondial. Une population de 328 millions d'habitants qui de plus est vieillissante, donc un intérêt particulier pour les sociétés dans le domaine de la santé. Une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Et enfin, et ça, voilà, le comité, le Forum Santé de la Chambre de Nouvelle-Angleterre va en parler plus en détail, mais pour la Nouvelle-Angleterre notamment, un accès aisé aux sources de capital, que ce soit de seed money ou de venture capital. Je vais laisser maintenant la parole à Laure Bérinère pour commencer la présentation sur l'écosystème en sciences de la vie pour la région de Nouvelle-Angleterre. Merci Ludivine. Bonjour, donc je suis Laure Berliner, je suis pharmacien, j'ai un MBA, j'ai travaillé en France en Big Pharma et aux États-Unis dans des petites sociétés aussi CROs. Voilà, donc j'ai rejoint la Chambre de commerce il y a à peu près 10 ans et je représente un groupe de bénévoles qui travaillent dans l'industrie des sciences de la vie en Nouvelle-Angleterre. Donc, ces bénévoles ont un profil particulier et je laisse ma co-chair Gigi dire quelques mots.
Bonjour, je m'appelle Gigi, je suis pharmacienne et je suis exécutive biotechnologie ici à Boston. Je m'occupe des affaires médicales depuis 15 ans et je suis la co-chair avec Laure de FABS, l'équipe FABS. C'est le bras scientifique de la Chambre de commerce franco-américaine de la Nouvelle-Angleterre. Et on donne des conseils. Et notre équipe est constituée d'experts dans les sciences de la vie. Et nous avons des expériences professionnelles complémentaires. Par exemple, moi-même, je suis en les affaires médicales. Mais nous avons un entrepreneur, quelqu'un qui s'occupe des finances chez Sanofi, stratégie en business. Et toutes les fonctions qui sont dans le cadre, dans les sciences de la vie. Et nous avons aussi travaillé avec des maladies complémentaires, comme moi, j'ai travaillé en gastro, en néphrologie, mais d'autres personnes, membres de notre équipe, nous avons plein d'expériences dans chaque maladie et cadre thérapeutique. Aujourd'hui, on va partager avec vous les bénéfices de l'écosystème scientifique à Boston et à Houston pour des boîtes franco-américaines et donner quelques conseils pour bien travailler avec des Américains. Next, Divine. OK. Nous sommes très fiers d'avoir un écosystème très puissant à Boston et à Cambridge. Comme vous connaissez sûrement, nous avons des institutions de recherche et des hôpitaux de classe mondiale. Nous bénéficions d'une infrastructure, des ressources très importantes pour soutenir les innovations. Il y a également une multitude de VC et des angels pour financer des entreprises, mais aussi les incubateurs et des espaces de travail et de recherche pour les startups, comme vous avez chez Station F à Paris. Et comme Boston est un hub pour la science, nous avons des experts dans plein de domaines. Quand on perd le financement en Nouvelle-Angleterre avec d'autres parties des États-Unis, peut-être Laure, vous pouvez ajouter sur ça. Oui, donc c'est vraiment le résultat de cet écosystème qui est très vibrant et tout est à proximité, on va en parler un peu plus tard, qui fait que eh bien, la Nouvelle-Angleterre est un des top hubs en termes d'investissement early stage. Donc, et ça a encore augmenté. Les chiffres que je vous donne ont 2 ans, ont 3 ans. On voit bien que New England est dans vraiment les top hubs. Quand on parle de Nouvelle-Angleterre, tout se passe à Boston et Cambridge. Et c'est vraiment là où l'innovation est vraiment privilégiée. Il faut vous dire qu'avec le Covid, les investissements en biotech ont vraiment dépassé tout. Sans doute que les gens ne savent pas où mettre leur argent. On a aussi Moderna Therapeutics qui est à Cambridge et qui a dû montrer la voie. En tout cas, l'innovation, il y a de l'argent et les gens innovent, les VC innovent dans des sociétés prometteuses. Next. Gigi? Saviez-vous que les grandes compagnies pharmaceutiques comme Sanofi ont quitté la région New York pour venir ici s'installer à Boston? Pourquoi? Mais c'est pour la recherche et le business doivent être proches physiquement pour booster les échanges qui sont très nécessaires à l'innovation. Nous avons un don vraiment unique pour aider et donner la structure pour les entreprises ici. C'est facile de trouver localement des talents nécessaires à votre développement. Et comme ça, je voulais noter que la French Tech, il y a une initiative en 2021 pour ressources humaines. Donc, on a des choses qui vont aider toutes les entreprises.
Aussi, il faut penser à la qualité de la vie. Et on est entre New York et Canada et nous sommes à proximité de l'Europe et avec un décalage des horaires moindre. Ça marche très bien pour les réunions de business transatlantiques. Next. OK. Quelques mots sur l'écosystème. Une des particularités de Boston Cambridge, c'est un écosystème français qui est très important. Alors, ça peut paraître un petit peu confusing au départ parce qu'il y a différentes entités, mais en fin de compte, tout est assez fluide et se connecte bien. Donc, la Chambre de commerce, c'est vraiment le point d'ancrage. Notre groupe dépend de la Chambre de commerce et nous offrons des services de consulting, entre guillemets, temporaire et gratuit. On essaye d'aider les entreprises françaises à naviguer dans cet écosystème. Le consulat est très actif, la mission française de sciences et technologies organise des programmes d'innovation pour les entreprises américaines allant en France, mais aussi de l'autre côté, c'est le programme NEDVA, vous avez peut-être entendu parler. Donc, on travaille avec eux aussi. La French Tech est très digitale, on les connaît bien. Certains de leurs représentants sont dans notre groupe. Donc, c'est encore un système qui marche, qui n'est pas du tout en silo, mais très fluide. Business France fait partie de notre groupe. C'est l'organisation gouvernementale pour se développer à l'étranger. Café des sciences et les conseillers du commerce extérieur très actifs. Donc, on vous aidera à naviguer si vous voulez vous installer à Boston. Il y a aussi un écosystème Massachusetts qui est très puissant, avec MassBio, qui est une grande trade association, un grand groupe avec beaucoup de networking possible, et le Massachusetts Life Science Center qui offre beaucoup d'incentives. Mais Gigi va en dire quelques mots. Next. Vous voyez un écosystème très vibrant avec beaucoup d'organisations et des réseaux de soutien. Merci, Laure. Ouais. Alors, pour résumer, pourquoi Boston et Cambridge? On vous a mis deux photos pour vous montrer. La première, celle du haut, c'est toutes les sociétés, les entités qui sont tellement de sciences de la vie. Donc, vous voyez que tout est regroupé et on peut aller de l'une à l'autre à pied. Et il y a un réseau parallèle qui est en train de se développer sur Boston, sur le Seaport. Tu veux dire quelques mots des accélérateurs? Et ce qu'ils apportent pour les sociétés françaises? Oui, je voulais dire aussi que notre station à métro à Kendall, il y a plus de 300 entités scientifiques juste là-bas à Kendall. Mais pour les accélérateurs, il y a le funding, il y a le mentoring. Il y a des programmes pour donner des conseils avec Mass Challenge pour les boîtes et aussi peut-être vous avez entendu dire de CIC parce qu'il y a pour les startups si vous n'avez pas facilité pour le labo et de la recherche. Il y a des endroits pour faire de la recherche aussi. Mais il y a aussi des grandes entreprises font beaucoup de external innovation. C'est une nouvelle chose ici avec beaucoup d'énergie maintenant à Boston pour faire des collaborations entre les grandes entreprises et les petites startups, les nouvelles entreprises. Donc, comme BioLabs, qui est dedans le bâtiment de Ipsen, chez Ipsen, par exemple. C'est un incubateur chez Ipsen, mais le nom, c'est BioLab. Et il y a quelque chose à Paris avec BioLabs aussi. Donc, peut-être vous avez entendu dire le nom de ça. Il y a aussi des tax credits, les crédits tax. Oui, avec l'État de Massachusetts. Donc, chaque État, nous avons des choses comme ça pour améliorer et donner
avec le funding, mais aussi les infrastructures pour les entreprises. Next. Ludivine, next. Ok, merci. Donc, moi, je suis Constance Bost, je suis la directrice de la Chambre de commerce à Houston et au Texas. Merci beaucoup pour cette présentation de Boston, c'était vraiment très intéressant et je trouve que ça illustre très bien la manière dont on fonctionne à la Chambre de commerce, c'est-à-dire que bon, comme Ludivine, donc moi je suis à la direction de la Chambre de commerce, mais on s'appuie sur un réseau de professionnels qui sont dans différents secteurs, donc aujourd'hui dans la santé, et c'est grâce à ces professionnels qu'on arrive à être très efficace et à faire des réponses précises et pointues sur les différentes industries. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Moi je vais vous présenter l'écosystème du Texas. Donc nous on est plus des challengers, en général de France la côte est et la côte ouest sont mieux connues, mais ce qui se passe au Texas est très intéressant pour les entreprises françaises, donc très rapidement j'espère vous donner envie d'en savoir plus. Donc cette première slide, je voulais illustrer ce qui se passe au Texas aujourd'hui. Donc vous voyez ces deux géants, la deux illustrations, on a Apple qui construit un campus énorme au Texas où tous les MacBooks vont être produits et il y a aussi énormément de software. On a Tesla qui a annoncé, donc qui quittait la Californie pour s'installer également au Texas. Donc on a un flux qui est positif hein, du Texas, enfin de la Californie vers le Texas, qui est assez intéressant pour nous. Donc on a évidemment ces géants qui font la une de la presse, mais ça se voit aussi au niveau des startups. Donc j'ai choisi là, cette image là, de cet entrepreneur qui construit des fusées. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a une interview récente de lui où il explique pourquoi il a choisi le Texas. Et contrairement aux géants qui parlent souvent des intérêts financiers parce que l'écosystème est très business friendly avec des taxes extrêmement légères, cet entrepreneur lui disait que parce que tout simplement il fait des choses innovantes et la législation est vraiment pro-innovation au Texas. Et quand on arrive avec des produits différents et nouveaux, on n'est pas embêté par trop d'administratifs. Donc lui, c'était la raison pour laquelle il venait au Texas et je trouvais ça intéressant. En termes de levée de fonds, de valorisation, donc on a des licornes made in Texas, et on a de plus en plus. Donc c'est une tendance évidemment qui est célébrée. On a fait il n'y a pas longtemps un événement avec Christophe Lavigne qui a fait un exit spectaculaire il y a quelques années à Austin avec son entreprise dans les Life Science et évidemment on espère en avoir d'autres. Donc voilà pour un panorama plus général. Ludivine, si je vais montrer la prochaine slide pour parler plus précisément de la santé, je voulais mettre en avant le Texas Medical Center. Donc sur cette slide, donc c'est Houston. On voit, donc c'est très vert, donc c'est comme s'il y avait deux villes, une première en premier plan et une autre en deuxième plan. Donc au fond, les tours, c'est downtown avec tous les grandes entreprises, les headquarters des Fortune 500. Et la première ville devant, en fait, ce ne sont que des hôpitaux. Donc il y a à peu près une cinquantaine d'hôpitaux et la ville, cette ville uniquement d'hôpitaux est encore en train de grandir parce qu'il y a un investissement de 2 milliards qui est fait pour encore construire des nouveaux hôpitaux. Et avec cette densité hospitalière, il se passe des choses super intéressantes pour des startups dans la santé. Donc sur la prochaine slide, il y a quelques chiffres. Voilà, et enfin, des chiffres qui sont, enfin, je trouve, assez spectaculaires. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du réseau de la PHP en France au même endroit. Donc, cette ville d'hôpitaux. Donc, voilà, donc c'est 10 millions de visites de patients par an. C'est 10 000 lits de patients au Texas Medical Center, 180 000 opérations par an. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il présente le Texas Medical Center, c'est une marketplace, c'est-à-dire une concentration avec finalement tous les utilisateurs finaux de l'innovation dans le médical. Avec donc ces gros investissements dans toutes ces infrastructures médicales, a suivi des investissements dans tout ce qui est innovation. Donc Ludivine, sur la prochaine slide,
On voit le centre d'innovation qui est au cœur de cette ville d'hôpitaux. Et il y a différents incubateurs qui sont au centre de cette ville hospitalière, dont trois particulièrement intéressants. Donc, c'est l'incubateur lui-même du Texas Medical Center. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent les startups en fonction de l'intérêt de leur réseau d'hôpitaux. Donc, l'idée, c'est vraiment une approche business en disant on choisit des entreprises dont on sait que la solution va être utile et utilisée au sein de notre réseau d'hôpitaux. On a aussi AT&T qui a ouvert leur incubateur Foundry sur tout ce qui est MedTech, et Johnson & Johnson qui font Medical Device. Donc là-dessus, on a de la chance d'avoir Marc Gardet qui est le président de la French Tech et un entrepreneur dans la santé. Il a été incubé dans deux de ses incubateurs, là, il pourra nous en dire plus. N'hésitez pas à poser vos questions là, dans le chat parce que Marc va faire une présentation plus tard. Voilà, mettez vos questions dans le chat et je sais que Marc sera ravi de présenter et à répondre à vos questions. Donc voilà l'essentiel. Je ne vais pas reprendre ce qu'a présenté très bien Boston hein, sur le réseau français qui existe, le réseau d'accompagnement qui existe aussi au Texas. Pour donner un ordre d'idée, la France est le deuxième employeur étranger au Texas. Donc, ça vous donne une idée du poids économique de la France et du réseau qu'on a sur place. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, Elsa Lévy-Passeur, je suis franco-américaine et juriste de formation. Je suis depuis plus de 15 ans établie en Nouvelle-Angleterre, enfin dans le Greater Boston Area, où j'ai exercé le métier de juriste au sein de, dans l'industrie pharmaceutique plus récemment. Ça fait plus de 7 ans que je suis chez Takeda. Et avant, pendant près de 4 ans, j'ai accompagné une filiale de distribution française, une société qui était dans le medical device, dans les applications logicielles, et qui cherchait à s'implanter et avoir une présence physique, mais également à animer un réseau de distributeurs et d'agents commerciaux sur le terrain. Tout à fait dans la ligne des questions qui doivent vous animer aujourd'hui, puisque vous êtes ici présent. Donc, ma présentation a la vocation à donner un éclairage sur les modes de représentation légale pour s'implanter aux États-Unis, quelles sont les voies envisageables, les voies possibles, et éventuellement aussi toucher un peu sur le coût du salarié et faire la lumière sur les stigmas, est-ce qu'un salarié américain coûte plus ou pas. Voilà, next. Véritablement, pour moi, la façon dont je vois la conquête de ce marché américain, c'est véritablement deux grandes options. Elles ne s'opposent pas parce qu'on peut tout à fait imaginer que les deux viennent ensemble. La première, c'est optimiser et utiliser les réseaux de distribution. Donc, ça peut être par le fait de trouver les bons agents commerciaux et établir une représentation commerciale par le biais des services d'un agent qui va être un independent contractor, un non-salarié, commissionné et qui va être là pour présenter vos produits ou vos services. Le second mode, ça peut être de trouver le bon réseau de distributeurs. Les distributeurs sont des revendeurs, donc vous revendez vos produits, vos services à un tiers qui va les développer pour vous, avec un territoire qui va être défini et avec la possibilité de définir l'exclusivité ou pas de vos produits et vos services avec ces distributeurs. Enfin, le troisième point qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le Original Equipment Manufacturer. C'est un contrat intégré. Et ça, c'est envisageable que si la technologie permet d'examiner l'opportunité d'un OEM, c'est-à-dire un contrat intégré. Pour prendre un exemple précis, quand vous achetez un ordinateur chez Mac, il vient déjà avec des softwares comme Keynote ou Linux, donc il vient déjà avec des contrats intégrés. Souvent, quand vous allez faire un scanner, un IRM, la machine elle-même, au Logic UG, a déjà aussi un software d'optimisation pour le post-traitement de ces images et pour aider au diagnostic. Donc, l'OEM uniquement, c'est la technologie le permet. La seconde voie pour s'établir sur ce marché américain, c'est avoir une présence, c'est-à-dire un pied, véritablement une présence physique. On a tendance à penser peut-être et à tort que
la première façon de s'implanter quand on n'est pas sûr, ce n'est pas de créer sa boîte, sa filiale, c'est de mettre une branche, c'est de mettre une succursale. Et je le dis à tort parce qu'en fait, la succursale, elle n'offre aucun avantage véritablement sur le plan fiscal et sur la responsabilité. La succursale, elle n'est qu'un établissement secondaire ouvert par la société mère à l'étranger pour faciliter l'extension géographique et commerciale de ses activités et de sa relation avec la clientèle. Mais la succursale n'a pas l'autonomie juridique, donc elle n'a pas de patrimoine distinct de la société mère, donc elle ne fait pas écran. En cas de liability et de claims, la mère n'est pas protégée comme elle le serait avec une filiale. Et également, comme la branche est vue comme une société étrangère, elle est considérée comme non-résidente et de ce fait, elle fait l'objet de mesures discriminatoires sur le plan fiscal et d'imposition plus élevée. Donc, le risque pour la société mère, c'est qu'elle soit soumise à l'impôt sur les US, sur l'ensemble de ses revenus d'entreprise entière en France et aux US, et non seulement des revenus générés par la seule succursale. Donc, véritablement, peu d'intérêt de se dire que la voie à privilégier, ce serait la succursale. Il faut mieux favoriser la création d'une filiale plutôt que d'en retarder sa création. Bien évidemment, le mot filiale, ça abrite quelle forme juridique comme en France. Est-ce qu'on va s'orienter vers une société anonyme, une corporation, ou davantage une SARL, ici, ça serait davantage une limited liability company. Et pour ça, ça requiert les conseils d'un avocat / comptable fiscaliste qui va vous orienter sur la forme la plus adaptée et la plus fluide pour votre société. Autre possibilité de présence physique, c'est la possibilité d'une joint venture ou le rachat d'une société. Mais ça suppose que vous ayez déjà une connaissance approfondie du marché, que vous ayez vu ou ayez la possibilité de vous rapprocher d'une société étrangère, donc américaine, qui ait une complémentarité d'objets. Et ça ramène aux mêmes questions que pour la précédente, pour la filiale. Quelle entité pour cette joint venture? Qui va la gouverner? Comment va être la composition de son Board of Director, comment est-ce qu'on va faire tout ce qui concerne les dispute resolution, qui sera propriétaire de l'API. Ce sont des questions qui finalement même vous dépassent quand on est dans l'idée de s'implanter dans un premier temps et de créer une filiale. Next. Alors, je reviens un petit peu sur cette première voie. Donc, l'avantage et l'inconvénient d'avoir une représentation qui n'est pas physique, mais d'avoir à animer un réseau de distributeurs, que ce soit l'agent ou le distributeur. Pour l'agent, l'avantage, c'est que finalement, il y a un faible coût d'entrée puisque vous n'avez pas de présence physique ni fiscale, vous n'avez pas de salarié, donc pas de payroll, et vous gardez le contrôle des prix et de la relation client et surtout du contact final avec vos clients. Donc, une optimisation du chiffre d'affaires de détail. Mais en revanche, on ne peut pas exiger d'un commercial qu'il ait toutes les compétences, qu'il s'investisse, qu'il ait le temps, parce qu'il n'est pas votre salarié, qu'il faut le diriger, mais avec beaucoup de souplesse, parce qu'il est un independent contractor. Donc, très souvent, pour de la technologie de pointe, l'agent peut se révéler inadapté, et inadapté aussi pour le lancement d'un nouveau produit. Pour les distributeurs, il faut trouver les bons distributeurs spécialisés dans les niches qui vous intéressent. Ils existent, mais ils vont vous racheter vos produits avec un coût, moins cher pour eux pouvoir les revendre. Donc, vous allez perdre un peu sur l'affaiblissement de la marge et certains produits ne rentrent pas toujours dans le cadre d'une entente distribution traditionnelle achat-vente. L'avantage, c'est que le service après-vente, la garantie, lies on the distributor et faible coût d'entrée. Donc, c'est une voie possible, mais ça reste, quand on est à distance, pas toujours facile de gérer ces relations-là. On peut être une filiale tout en ayant des agents non contractuel, c'est pas toujours simple de gérer un réseau d'agents parce qu'ils nous appartiennent pas, ils sont pas salariés, ils sont pas des nôtres. Voilà, next. La prochaine slide, voilà. Ouais. En revanche, quand on crée une filiale, il y a un certain nombre de questions à se poser en effet. La première, c'est véritablement connaître son marché, avoir fait une véritable étude marketing. Parce que lancer un nouveau produit sur un marché américain alors qu'il a pu, être un véritable succès en Europe ou en Asie, ce n'est pas forcément la garantie que le client va percevoir les mêmes intérêts. Donc, d'où l'intérêt d'une étude, de connaître son marché, de connaître ses segments, de savoir s'il y a une opportunité, et éventuellement de se rapprocher de sa base géographique de clients. On a vu que beaucoup de sociétés de technologie de pointe ont choisi la Silicon Valley parce qu'elles étaient toutes présentes.
À l'inverse, ici, on a beaucoup de biotech et un écosystème qui est florissant. Et les sociétés se rapprochent et se mettent dans le même géographique, je dirais, pour favoriser ces échanges. Examen du droit du travail et de l'immigration, il est très important aux États-Unis, puisqu'à partir du moment où on veut créer une filiale et qu'on veut éventuellement faire venir des gens de la société mère, il faut connaître tout ce qui concerne les visas L1, 1, A et B, intercompagnie visa. Il faut connaître un petit peu son droit du travail, même si ici, les salariés sont très fluides, peuvent partir très vite parce qu'ils sont at will. Ça marche dans les deux sens, pour l'employeur comme pour le salarié. Et il y a en revanche tout un arsenal de règles en matière de non-discrimination, d'heures de travail, de sécurité, de santé des salariés, de protection des handicapés. Donc, toujours important de connaître son environnement. Les formalités administratives de mise en conformité, donc ça, c'est tout ce qui concerne affaires réglementaires, FDA clearance, custom et douane, etc. Pensez à être bien entouré pour tout ce qui concerne propriété intellectuelle et confidentialité des échanges, donc avoir les bons interlocuteurs et les bons avocats. Et le choix d'une équipe managériale compétente, avoir peut-être des gens de votre société mère ici présents avec des têtes américaines, parce que le succès d'une société, d'une filiale, c'est d'avoir cette part de culture française, mais aussi d'avoir des têtes américaines. Prochaine slide. J'ai voulu faire un comparatif sur les prochains slides sur le coût d'un salarié aux US. On se dit, et ce n'est pas faux, qu'un salarié à fonction équivalente coûte plus cher. Oui, c'est vrai. Enfin, je parle de la région Boston. Sur certains postes de scientifiques, on paye mieux ici qu'on paye en France. Mais en réalité, il y a moins de charges sociales. Donc, les charges sociales sont peut-être plus faibles, mais mettre en balance le fait que pour recruter du talent, il faut être généreux sur le package Employees Benefits. Je vais vous faire un breakdown assez binaire sur le montant des charges parce qu'il n'est vraiment pas aussi compliqué que pour un employeur français. Quand on embauche, on paye peut-être 45% de taxes en plus sur SAF pour ce salaire. Ici, c'est assez simple. On a un Federal Unemployment and State Unemployment FUTA, Social Security et Medicare qui sont obligatoires et qui sont ponctionnés sur le salaire brut. Et à la charge de l'employeur, ce qu'on appelle le Workers' Compensation Benefits, qui est l'équivalent accident du travail maladie professionnelle qu'on prend auprès d'un assureur. J'ai mis à la louche à peu près 900 de primes annuelles avec un assureur pour 1 à 4 salariés selon les assureurs. Et j'ai mis en avant les pourcentages de salaire brut qui partent d'un salaire brut. Donc, véritablement, peu de charges sociales. Prochaine slide. En revanche, ce qui importe beaucoup quand on choisit aussi son entreprise et son poste, c'est quel va être le package. Le package est très important pour un Américain. Il va regarder l'assurance santé. Donc, souvent, les sociétés, qu'elles soient biotech ou dans la santé, elles offrent un package très généreux au regard de la couverture maladie et dentaire des jeunes. Le Life and D&D, c'est presque acquis que toutes les sociétés l'offrent. C'est une assurance sur la vie et la prévoyance et c'est la maladie de courte durée ou longue durée. Toutes les sociétés vont proposer ce qu'on appelle un 401k, qui est un company pension plan, ce qui est l'équivalent d'une retraite par CAPI, sachant qu'aux États-Unis, la retraite par répartition, elle offre peu. Et donc, du coup, les salariés défiscalisent un pourcentage de leur salaire chaque mois et à l'employeur d'abonder. Donc, les employeurs généreux, dans une fourchette de 3 à 5%, vont abonder ce plan. Prochaine slide. Et d'autres choses existent qui sont véritablement spécifiques au salaire américain. C'est cette notion de FSA, Flexible Spending Account, qui est aussi offerte par les employeurs de qualité, qui est la possibilité, pareil pour le salarié, de défiscaliser, de mettre de l'argent pour le healthcare, pour des dépenses de santé, pour des dépenses de dependent care, donc garde d'enfants. Et l'employeur aussi peut abonder ses FSA et c'est limité à 5 000, j'ai mis 2005, c'est 5 000 par salarié par an. Donc, s'il y a deux salariés dans un couple, par exemple, c'est une limite qui est fixée par l'IRS, l'équivalent du fisc. Les employeurs donnent en moyenne au moins 2 à 3 semaines par an de vacances. Des bank holidays, il y en a des jours fériés dans une fourchette peut-être de 10 par an. Des jours sont donnés au titre de la maladie, appelés sick days, entre 2 à 6. Mais cette année, avec le Covid, on a vu qu'on avait un package en plus pour les jours Covid de maladie. Donc, il y a les jours de maladie et les jours de maladie Covid. Et ces jours-là, parfois, vont jusqu'à 10 jours et couvrent également
les ascendants, c'est-à-dire les enfants du salarié. Personal day, c'est des jours de convenance personnelle. Entre 2 et 5, j'ai mis 2, mais c'est un minimum. Et d'autres avantages comme des discounts sur le coût de l'assurance auto, de l'assurance maison ou autres fitness plans ou wellness plans où on vous donne de l'argent, on vous rembourse, je ne sais pas moi, un Peloton par exemple, c'est le cas cette année chez Takeda, ou tuition reimbursement program pour des études qu'on voudrait faire dans le cadre du plan de développement personnel. Donc on essaye de loader ce package qui ne tient pas compte du fait que beaucoup de salariés, enfin nombreux, ont aussi un bonus qui est de 15 à 20, voire 25 selon votre fonction, enfin votre niveau de management. Voilà. Je crois que j'ai fini pour les avantages sociaux. Merci Elsa. Maintenant, on va donner quelques conseils pour bien travailler avec les Américains. Et merci. Next. Il faut être clair, concis et bref avec les Américains, et avec votre présentation. Il faut vraiment connaître des concurrents et votre proposition de valeur. Plusieurs fois, on voit que vous connaissez les entreprises françaises, peut-être connaissent les concurrents en France ou en Europe, mais pas aussi bien les gens et les concurrents aux États-Unis. Donc, peut-être avec des ressources et des équipes comme nous, on peut donner des conseils et pour améliorer connaissance de les concurrents et des concepts qui sont ici aux États-Unis. C'est aussi vrai pour la value proposition. Les sociétés qu'on reçoit avec le FABS, très souvent, n'ont pas clarifié leur value proposition. Et pour un public américain, c'est ce que dirait Jim, c'est « what's in it for me ?» C'est se mettre dans la peau de celui qui vous écoute et culturellement, il faut très vite lui dire qu'est-ce qu'il a, quel est l'avantage pour lui. Oui, c'est absolument vrai. Notre Jim, il est dans la salle, il peut dire quelque chose avec pendant le chat ou je ne sais pas non. Si… Jim peut parler. Jim, si tu ouvres ton micro, tu peux parler maintenant. Ok. Non, mais allez. Okay. Merci. Et aussi, on voulait dire qu'on aime faire le business avec des gens avec qui on a la confiance. C'est très important de faire des liens, de trouver des rapports avec quelqu'un que vous faites le business. C'est important aussi quand vous parlez et vous allez trouver des rapports avec des entreprises ou des investisseurs que vous devrez protéger votre IP. Quelquefois, on est très fier de notre science et notre produit. On doit être sûr que c'est d'accord de partager les informations, soit en verbal, soit par la voix ou par email. L'autre chose que je vois, je suis américaine, j'ai travaillé en France, mais je vois que le sentiment, c'est toujours de discuter et partager l'histoire et l'approche quand je parle avec les entreprises françaises. Mais à d'autres cas, les Américaines aiment de connaître vraiment le résultat. Donc, nous sommes results-driven, résultats, qu'est-ce que vous allez donner à moi? Mais nous sommes très fiers de notre histoire, notre approche, l'idée. Et vous devez, c'est important de
trouver la balance entre les deux, le résultat et l'approche. Et avant d'expliquer la technologie, expliquer ce que vous apportez comme change, game changer, plutôt qu'attirer l'attention. Oui. Et si vous avez des chiffres ou des succès en Europe en avance, si vous voulez s'implanter ici à Boston ou aux États-Unis, c'est important de dire ce que vous avez déjà fait ou les grands succès parce que c'est votre histoire, mais avec des choses objectives aussi. Quelque chose qui devient de plus en plus important pour des gens, c'est parce que des technologies sont encore nouveaux ou nouvelles, et donc ils ne les connaissent pas. Et donc, une des premières questions qu'ils vont vous poser, c'est qui est vos investisseurs? Et c'est très important parce que si c'est un VC, par exemple, ou quelqu'un qui est très connu comme investisseur, tout de suite, ils vont dire, bon, d'accord, si eux, ils disent que c'est bon, dans ce cas-là, moi, je suis d'accord avec eux. Et donc, c'est très important de savoir que la plupart des investisseurs et même des gens qui sont intéressés pour être partenaires veulent savoir qui a décidé que c'est bon. Je ne peux pas dire assez que aujourd'hui, c'est les investisseurs, c'est le nom des investisseurs qui compte plus que la science, plus que les résultats. Tout le monde suit les investisseurs connus. Très important. Aussi, si vous n'avez pas dans votre équipe, je pense que c'est important d'avoir un SAB, un board qui a des gens qui sont connus ou plusieurs fois les hôpitaux petits. Je vois que c'est très connu en France ou en Europe, mais pas aussi bien ici. Donc, pour avoir quelqu'un dans une institution ou dans les affaires aux États-Unis qui peut aider et faire un lien avec complémentaire pour votre équipe. Tout ça, ce sont des conseils. On n'a pas beaucoup de temps. Juste attirer votre attention que si vous voulez vraiment vous lancer, vous pouvez nous contacter à travers la FACNE et on essaiera de vous aider pour vous donner des conseils qui sont spécifiques à votre entreprise en sciences de la vie. C'est ce qu'on fait, on donne de notre temps. Ça ne vous coûtera rien. OK. Merci. Next. Bien. Merci à tous pour le partage de votre expertise. Donc effectivement, vous avez ici donc quelques contacts pour pouvoir nous joindre après l'entretien. C'est des éléments qu'on pourra aussi partager avec vous par email. Et je vais maintenant laisser la parole à Romain Marmot. Qui est basé à Boston. Romain a un parcours assez exceptionnel. Sa société a été fondée il y a une vingtaine d'années en France. Il est actuellement donc le Chief Business Officer de la société. Il est par ailleurs président du comité des conseillers du commerce extérieur de la France pour la Nouvelle-Angleterre. Et également, il a fait partie du board fondateur de French Tech Boston. Donc, on a trouvé intéressant que Romain puisse être là aujourd'hui pour témoigner sur son expérience américaine. Romain, c'est à toi. Merci, Divine. Tu vas me faire rougir. Merci de m'offrir cette opportunité de partager mon expérience. Donc, je suis en effet entrepreneur, fondamentalement. J'ai une société dans les sciences de la vie, au carrefour du numérique et de la santé, mais on travaille beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. Donc, j'estime plus dans les sciences de la vie que dans le digital. Et on a démarré notre aventure américaine il y a à peu près 10 ans. Et on avait cherché où s'implanter et on a vu que Boston, c'était quand même assez solide dans le domaine des sciences de la vie, mais il y a d'autres options, bien entendu. Nous, on a choisi de s'installer à Boston et on a fait un choix qui me semble important à partager avec vous et qui a été mentionné par un intervenant précédemment.
c'est de déplacer un des fondateurs. Donc c'est mon cas, je suis fondateur de l'entreprise, on a fondé l'équipe à trois. Et on n'a pas tiré la courte paille, mais presque, et c'est tombé sur moi, et je suis venu, et ça me paraît important. Alors, il y a d'autres moyens d'approcher le même résultat, mais le résultat qu'on recherche, c'est qu'il y a une personne sur le sol américain qui ait la légitimité suffisante pour pouvoir parler à l'équipe fondatrice en France et leur dire ce qu'il faut changer. Parce qu'il faudra changer des choses. Si ce n'est la technologie, il faudra au moins changer le discours, le marketing, la façon dont on présente la valeur ajoutée de sa société. Et quand on a quelqu'un qui, sur place, n'a pas assez de légitimité, le risque qu'on prend, c'est qu'il va parler dans le vide. Les fondateurs en France, ils vont dire « Non, mais moi, je connais bien mon produit, je connais bien ma technologie, tu ne vas pas m'expliquer comment on vend ça. » Et pourtant, c'est fondamental. Donc, idéalement, si on a une personne de l'équipe fondatrice sur place, c'est mieux, puisque la légitimité, elle est là de fait, mais il y a une connivence qui existe déjà. Si ce n'est pas quelqu'un de l'équipe fondatrice, il faut vraiment que ce soit une personne qui ait la confiance de l'équipe dirigeante. Pour nous, ça a été un élément important de notre succès dans cette greffe, et, en tout cas dans cette démarche d'export. Et on ne l'a pas inventé, cette idée, on l'a eue en rencontrant pas mal d'entrepreneurs qui étaient passés par là aussi avant nous. Donc, c'est un enseignement qui, à mon avis, survit au temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce qui me semble important? Dans les premières étapes, on a failli faire une erreur, c'était de vouloir trop s'occuper des fonctions support nous-mêmes. Parce que on faisait ça en France, toujours l'idée qu'on peut parfois faire les choses un peu en bricolant et puis ça va être plus rapide, moins cher, etc. Et dans le cadre d'une démarche d'export aux États-Unis, c'est souvent une mauvaise idée parce qu'on a peu de temps et un budget assez serré pour faire la différence et montrer que ça marche. Donc, passer du temps à s'occuper des fonctions support, de finance, de HR, etc., sans s'appuyer sur des partenaires et des prestataires qui sont là pour faire ça, c'est une erreur. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, développer son business, développer le portefeuille client, la technologie, etc. Et du coup, s'appuyer sur les ressources qui existent, qui sont nombreuses et qui d'ailleurs ne sont pas forcément très chères, parce qu'il y a des gens très bien comme les OFABS qui sont là pour vous donner du conseil et du soutien. Alors, ils ne vont pas faire votre comptabilité, mais en revanche, ils peuvent vous aiguiller vers les bonnes personnes pour faire ça facilement, efficacement. Quand on vient aux États-Unis, c'est un avis personnel, je ne sais pas si les autres le partageraient, mais c'est quand même plus simple quand on a déjà une référence américaine, un client, un partenaire. Il y avait la notion de validation, je pense que c'était dans ce que tu disais, Jim, aussi, ou certains autres intervenants, ce fait qu'il y ait un membre du board qui est un KOL reconnu aux États-Unis, une institution académique reconnue aux États-Unis. Si on a déjà ça avant de s'installer, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que sinon on a vraiment beaucoup de travail à faire alors quand on démarre aux États-Unis. C'est un aspect de validation très très important, parce que la France, elle n'est pas connue pour son industrie de santé, donc on serait dans le vin ou le fromage, on n'aurait pas besoin de sortir le meilleur œnologue américain, mais là, on a besoin de sortir quelqu'un qui est compétent, qui est reconnu. Alors, ça peut être un VC, comme tu l'as dit, Jim, qui est déjà au board, qui est déjà dans le capital, mais idéalement un client ou un partenaire, déjà. Donc, je pense que nous, on a attendu d'avoir cette première référence. On avait fait un premier déploiement de notre technologie avec un partenaire qui n'était pas américain, mais qui était la filiale d'un groupe européen aux États-Unis. Et du coup, c'était un projet avec une référence américaine qui était capable de parler à d'autres Américains de notre technologie pour dire que c'était solide, c'était fiable. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais à mon avis, pas beaucoup de temps. Et je voulais vous parler HR aussi, rebondir. C'est ce que Elsa a dit. J'avais quelque chose à ajouter par rapport à la fonction HR. Quand tu disais à l'instant qu'il fallait mieux se focusser sur son cœur de métier et déléguer les tâches HR,
Pour tout ce qui concerne la fonction payroll et le package benefit, ça peut être géré par ce qu'on appelle un PEO, un Professional Employers Organization. Ils font ça très bien, ils s'occupent de la fonction payroll, donc la fonction paye, de collecter les charges. Et également, si vous n'avez pas suffisamment de salariés pour avoir un 401k, ils agglomèrent toutes sortes de petites PME pour justement offrir cette possibilité d'avoir un 401k qui est si importante pour un salarié américain, parce qu'on choisit beaucoup aussi son entreprise en fonction de ce package. C'est ouais. un élément en plus de la rémunération, mais il fait partie de ce choix. Je te confirme que c'est ce que nous avons fait au début. Hein, parce ouais. qu'un des points bloquants, comme tu viens de le dire, c'est l'accès à des bons plans de santé, par exemple. Quand on est trop petit, les assureurs ne vont pas nous permettre d'avoir non. des bons plans de santé, et c'est un critère essentiel pour les candidats de sélection de leur employeur, par exemple. Le seul inconvénient, c'est quand on démarre avec un salarié unique, on ne peut pas avoir le life insurance. Ça, c'est la seule chose que j'ai appris, même avec un PEO. Voilà. Pas parce qu'on en tout cas, ça paraît une bonne chose à faire au début. Au moins au début, et puis après, on prend son envol, on a plus de monde. Exactement. On peut négocier directement les différents contrats et les payrolls, etc. Il y a une réalité dans ce que tu avais dit aussi, c'est sur le sticker shock du salaire. Alors certes, le salaire brut, il faut se dire que ça va par-dessus, on va rajouter beaucoup moins de charges, comme tu l'as démontré. Ouais. Mais il faut bien payer les gens. Il faut bien payer les gens. Ah, et ça va coûter beaucoup plus cher qu'en France. Et une erreur à faire, et qui se fait très souvent par les entreprises françaises qui viennent ici, c'est du coup être un petit peu… En deçà du prix et de ne pas arriver à fidéliser son salarié. Voilà. Soit pas fidéliser, soit vraiment avoir des gens qui ne sont pas super, super forts. Ouais. Pourtant, le premier salarié, c'est presque le plus important. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir son porte-monnaie. Ça va peut-être être le premier salaire de l'entreprise. Ça va peut-être poser problème à l'équipe de direction ou de fondateur. Mais c'est important. C'est une mauvaise économie que de mal payer. Et puis, même si on a un très bon candidat pour un prix raisonnable, comme tu l'as dit, Elsa, le risque, c'est que dans un milieu compétitif, il ne va pas rester. Reste le turnover, pas. Il est beaucoup plus grand aux États-Unis. Absolument. Et il y a une souplesse dans le droit du travail américain qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que quelqu'un à un niveau de management élevé doit donner une notice de préavis qui est de 3 mois. Ici, ça n'existe pas. Même en tant que director's level, on part en 2 semaines, on prend ses clics et ses claques parce que c'est de la twill. Donc, c'est à la fois un avantage parce qu'on recrute plus facilement, mais on peut perdre aussi plus facilement ses salariés. Et c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est d'avoir des bons éléments, absolument. Et alors, je vais finir sur un dernier point, parce que je pense que j'ai grillé tout mon temps. Non, c'est pas toi qui m'as grillé, j'avais déjà bien utilisé. Sur les financements, justement, le marché américain est énorme, c'est une opportunité fantastique. On ne peut pas ignorer l'opportunité que ça représente en termes d'export de nos technologies. Mais ça coûte cher. Il n'y a pas que les HR qui coûtent cher, tout coûte cher. Donc, on a besoin d'être bien financé. Et donc, on ne peut pas aller aux États-Unis juste pour voir. On ne peut pas payer pour voir. On se dit, tiens, j'ai un peu d'argent, j'y vais 2 ans, puis je vais voir si ça marche. Non, il faut être sérieux, il faut être correctement financé, il faut avoir bien planifié le fait que HR, ça va coûter, tout va coûter plus cher. Et à la clé, il y a une fantastique opportunité avec un marché qui est 10 fois plus grand. Donc, tout ça est en cohérence. Mais comme le disent les Américains, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Et c'est particulièrement vrai sur ce marché. Dernier petit commentaire. Je reviens sur le réseau de soutien français ou francophile qui est représenté en partie ici, mais il y a d'autres institutions qui ont été citées sur les slides, par exemple la French Tech, les conseillers du commerce extérieur. Donc, il y a surtout dans les sciences de la vie, il y a un vrai réseau très solide pour vous aider. Donc, tournez-vous vers ce réseau. Et puis, c'est peut-être grâce à ce réseau que vous trouverez votre premier partenaire et même votre premier client, parce que des Français dans des postes de direction, de décision dans l'industrie de santé, il y en a beaucoup aussi aux États-Unis. Voilà. Merci, Romain. La parole est à toi, Marc. Eh bien, merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que les conseils donnés par Romain et l'équipe sont absolument excellents et je n'ai pas grand-chose à rajouter à cela. Alors, juste un mot sur mon expérience personnelle. C'est en fait assez différent puisque au départ, je suis un universitaire.
Et donc, je suis un de ces universitaires qui a construit ma carrière avec des publications et des grants. Et à un moment donné, j'ai décidé de franchir le pas et de monter ma société. Donc, c'est en esprit assez différent. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires français qui ont de bonnes idées, qui veulent monter leur start-up et qui ne sont certainement pas encore équipés pour le faire. Le saut est beaucoup plus grand quand on vient directement de France. Donc, je crois que ça vaut vraiment le coup d'adresser spécifiquement ce type de profil. Je voudrais insister sur le fait que chaque entreprise est très différente, et en particulier si on fait un business en pharma ou en medical device ou en digital health, c'est très, très différent. Les cycles, les investissements, le retour sur investissement, tout ça, c'est vraiment très, très différent. Donc, selon le type de votre entreprise, votre stratégie pour vous implanter et réussir risque d'être fondamentalement différente. Alors, des incubateurs qui vont vous aider, en fait, il y en a des myriades un peu partout aux États-Unis, et c'est devenu un business parce que, pour être honnête, ces incubateurs, en fait, vendent des prestations de toutes sortes. Lawyer, human resources, stratégie, etc. Donc, vous ne manquerez pas de gens qui veulent vous aider. Il va falloir construire et certainement vous appuyer sur le Team France avec Business France, le consulat, les chambres de commerce. Il faut vraiment construire un filtre pour vous encadrer de la bonne équipe. C'est très important de choisir votre lawyer, les gens qui vont vous aider avec les finances et autres. Donc, en cela, le réseau risque vraiment de vous aider, je pense. Moi, j'ai une chance unique. J'ai recruté un CEO, CFO, qui est une personne qui a une très grande expérience de businessman, qui est angel et qui a décidé, après sa carrière, il est parti assez jeune de son entreprise, que finalement, les startups, le monde des startups, c'était très intéressant. C'était excitant intellectuellement. Et j'ai eu la chance de découvrir donc quelqu'un qui est dynamique, qui a énormément d'expérience et en qui j'ai confiance. Donc, comme ça a été indiqué, la confiance, c'est super fondamental pour vos collaborateurs au C-level et également avec vos employés. Donc, on a cité le fait que c'était pas tout à fait évident de construire une team de qualité et de garder des gens qui sont fidèles à l'entreprise et d'éviter à tout prix qu'ils partent avec la propriété intellectuelle, bien entendu. Et donc, il ne faut pas oublier que selon la taille de l'entreprise, ce que vous pouvez faire en health insurance, 401k, etc., très différent, en particulier sur une jeune start-up, le problème n'est pas tellement là. En fait, le problème, c'est d'ouvrir à l'intéressement. Si vous avez réservé un pourcentage d'intéressement pour votre équipe, c'est la meilleure façon, au final, de les motiver. Parce qu'une start-up est destinée à un moment donné à avoir un exit plan. Pour beaucoup d'entre eux, et c'est à ce moment-là que les employés cachent le bénéfice de ce qu'ils ont fait. Donc, vous pouvez faire un déploiement sur l'intéressement qui est tel que vous pouvez vraiment fidéliser, je pense, les personnes. Voilà. Alors, quelques remarques sur la géographie. Je pense que, vu de France, on a tendance à penser qu'il y a Boston, Silicon Valley, tous ces grands centres. Et en fait, si vous regardez l'histoire du business aux États-Unis, ça ne s'est jamais passé comme ça. Vous prenez les grands tycoons au 19e siècle, Rockefeller, Carnegie, que sais-je, ces gars-là, ils étaient Ford, ils n'étaient pas sur la côte Est, hein, pour la plupart. Donc, la géographie est très distribuée et il y a énormément d'opportunités. Donc, il faut que vous décidiez en fonction de votre marché et surtout de vos rencontres, où aller. Mais je pense qu'il y a de nombreuses possibilités pour vous installer. Juste pour vous donner un exemple, la plupart des villes investissent. Washington, D.C. vient de toucher un package de 700 millions de dollars avec le Covid. Inutile de vous dire qu'ils vont mettre de l'argent sur les incubateurs, l'innovation, etc. Moi, je suis à moitié entre D.C. et Houston, donc je vois bien en première main.
Donc, choisissez en fonction de votre lieu d'installation, en fonction des relations que vous construisez. Ça me paraît très important. Et une autre chose qui me semble aussi importante, c'est que COVID a vraiment changé la façon de faire le business. Et on n'a pas encore compris toute l'étendue des changements qui vont être liés à COVID. Donc, les entreprises vont être certainement plus distribuées et avec des liens plus distants, puisque beaucoup de choses se font comme ça de manière impersonnelle. Donc, ce n'est plus vraiment le cas où vous allez dans une ville et vous rencontrez chacun et vous faites votre business. Pour l'instant, ça ne marche plus comme ça. Et je ne sais pas si cette façon de faire du business va revenir. Donc, quelque chose à garder en considération. Moi, personnellement, je suis installé à Houston à cause de mon histoire et du centre médical. J'ai eu des postes universitaires et j'ai travaillé à l'hôpital ici. Mais mes sponsors sont à Boston. Je travaille avec deux grandes compagnies de medical device qui jouent le rôle de distributeurs. Et en fait, ils sont dans la région de Boston. Et ma boîte est vraiment distribuée parce que j'ai recruté des collaborateurs en Europe. Donc, réfléchissez un peu à l'aspect distribué. Et du coup, choisissez le lieu d'implantation en fonction de vos relations personnelles et puis aussi des facilités qui vous sont faites. De ce point de vue-là, le Texas est devenu extraordinaire. Comme Constance l'a dit, de nombreuses compagnies ont déplacé leur headquarter. Alors, on parle de Tesla, mais il y en a bien d'autres. Et je pense qu'ils ont choisi ça pour des raisons claires au niveau économie. Il y a vraiment des investissements qui peuvent capter. Et à partir du moment où ces grands players viennent, évidemment, ça va favoriser les startups parce que l'innovation est encore faite dans les startups la plupart du temps. Donc, ces grosses boîtes ont besoin de cet écosystème et vont le développer au besoin. Voilà, quelques remarques comme ça, personnelles. En 5 minutes, on ne peut pas vous donner de récipe pour la solution. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Je détiens seulement une petite partie des réponses et vous avez là une équipe qui peut vous aider sur les aspects juridiques, économiques, les liens avec les incubateurs. Donc, c'est une chance pour vous. Moi, j'ai construit ce truc-là un peu en indépendant, en devenant un universitaire américain, en développant mon propre centre avec la National Science Foundation, en tissant mes contacts industriels de manière assez importante. Là, vous avez la chance d'avoir une équipe qui va permettre d'accélérer une implantation aux États-Unis. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Donc, il est 18h heure de Paris. Constance ou l'un des autres experts, est-ce que vous voulez dire le mot de la fin? Merci. Merci à tous. Et puis, on est disponible pour vous aider. Donc, contactez-nous. Donc, l'AFACC est un réseau de 18 chambres aux États-Unis. Vous pouvez nous contacter sur le site nationalfacc.org. Nous espérons que cet webinaire d'information vous sera utile. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes tous disponibles via LinkedIn. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Lydie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.